Salut et bienvenue sur BBC Sport Afrique, votre programme dédié au sport africain. Cette semaine, nous vous avons concocté un programme très spécial. La fin de l'année approche et avec elle, la saison des prix décernés aux sportifs. Pas étonnant donc de nous focaliser cette semaine sur le prix BBC de la personnalité sportive africaine de l'année. Nous vous donnerons évidemment toutes les informations nécessaires au vote en fin de programme, mais d'abord découvrons nos 6 nominés. Le gardien de but sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy, on peut dire qu'avec lui, son club et son pays sont entre de bonnes mains. La reine du 1500 mètres, l'athlète kényane Faith Kipyegon, qui fait tomber les barrières des sportives professionnelles. La sensation sud-africaine des Jeux paralympiques, Ntando Mashlangu. La nageuse sud-africaine Tatiana Schoonmaker, passée du loupé pour Rio à la gloire à Tokyo. Le roi du marathon, le Kenyan Eliud Kipchoge, qui est parvenu à conserver son titre olympique. Et enfin, la jeune sprinteuse Christine Mboma, l'adolescente, a su défier les pronostics pour marquer l'histoire de son pays, la Namibie. Cette année, BBC Sport Afrique relance le prix de la personnalité sportive africaine de l'année, qui était devenu le prix du footballeur africain de l'année. Nous nous sommes basés sur une longue liste d'athlètes africains qui ont brillé par leur performance cette année et arrivé à n'en garder que 6 finalistes n'a pas été facile et pourtant, nous l'avons fait. Alors sans plus tarder, je vous propose de faire plus ample connaissance avec nos 6 nominés. Et nous commençons avec une athlète kényane dont l'année a été exceptionnelle. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, la reine du 1500 mètres, Faith Kipyegon, a réussi l'exploit de conserver son titre olympique après être devenue maman. Seules 3 femmes y sont parvenues dans l'histoire de l'athlétisme, une Australienne dans les années 50 et la Camerounaise Françoise Mbango plus récemment. Et pourtant, vous serez surpris d'apprendre que remporter l'or olympique pour la 2e fois consécutive sur cette distance n'est pas ce que Faith considère comme le moment fort de son année. Je peux dire que c'était une année incroyable. C'était vraiment quelque chose de spécial pour moi de défendre mon titre à Tokyo. J'avais à l'esprit de défendre mon titre, courir en tant que maman et inspirer ma fille. C'était difficile d'aller sur la piste et réaliser que tu cours avec des athlètes encore jeunes alors que toi tu es maman, mais ta fille te regarde à la maison. Je lui ai dédié ma médaille et quand j'ai atterri à Eldoret, elle m'a accueillie, elle a tenu la médaille et dit « c'est ma médaille ». C'était quelque chose de spécial. La Ligue de Diamants à Monaco, j'y ai couru mon record personnel. J'ai presque battu le record du monde, mais malheureusement ce n'est pas passé. Peut-être une prochaine fois. Je regarde de l'avant, je travaille autant que je peux pour faire baisser mon temps sur 1500 mètres avant de passer aux 5000 mètres. J'ai hâte d'établir un record du monde sur 1500 mètres. Elle est très loin d'avoir révélé tout son potentiel et elle a beaucoup à offrir au monde de l'athlétisme. Elle sera sur le devant de la scène pendant au moins encore 10 ans, c'est sûr. Et durant ces 10 ans, elle va nous éblouir par ses performances. C'est super d'être une championne. Et vous savez, ce qui compte, c'est la discipline pour rester champion. Il faut rester à son niveau de champion et être discipliné. Tout commence avec la discipline. Soyez fiers de qui vous êtes. Parce que ma fille, elle était grosse à sa naissance. Elle pesait 4,32 kg quand je l'ai enfantée. Et mon corps a changé. I was small,
J'étais mince avant, mais quand le corps change, tu ne peux rien faire contre la formation des vergetures. Donc il faut juste s'accepter comme on est et avancer. Je veux encourager les femmes, qu'elles sachent qu'il y a une femme qui s'appelle Faith et qui a fait de son mieux dans sa discipline. Je veux les motiver et leur montrer que tout est possible dans la vie. Maintenant, si je vous demandais ce que vous faisiez à l'âge de 14 ans, vous en rappelez ? Bon, pour moi, ça remonte un petit peu, mais pour le jeune Sud-Africain Thando Mashlangu, il participait à ses premiers Jeux paralympiques à Rio. Alors cette année à Tokyo, il était encore plus expérimenté, à pourtant seulement 19 ans. C'est ainsi qu'il a remporté pas une, mais deux médailles d'or aux Jeux. 2021 a été une excellente année pour moi. J'avais 10 ans lorsqu'ils m'ont demandé de me faire amputer les jambes. Lorsque j'ai eu mes jambes, je me suis dit, saisis ta chance. Entendre mon hymne national quand j'étais sur le podium, c'était clairement un moment spécial. C'est un si grand moment car non seulement je chantais l'hymne national, mais les gens chez eux aussi. J'en ai des frissons rien qu'à le dire. Je me suis recentré sur moi-même. J'ai tout pris avec moi et je me suis dit, c'est le dernier saut. Réaliser un record du monde et me retrouver à la première place, je pense que c'est le plus beau saut que j'ai jamais vu dans l'histoire du saut en longueur. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que je remporte la médaille d'or, donc j'avais beaucoup de pression. Je savais que je devais être à mon meilleur niveau et je pense que j'y suis parvenu. Pour moi, il n'y avait rien de plus spécial que de remporter la médaille sur 200 mètres et c'était deux médailles d'or. C'est quelque chose que je vais chérir toute ma vie. J'ai eu une enfance difficile. D'abord, être un enfant handicapé en Afrique du Sud, en Afrique, ce n'est pas simple. J'étais souvent harcelé petit, mais j'ai dû dépasser ça et apprendre à me défendre. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai eu la chance de pouvoir marcher, j'ai décidé d'en profiter au maximum. Si l'on regarde le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, j'ai clairement tiré le maximum de cette situation. Au début, je voulais jouer au football. J'adore le football, je regarde toujours le football, mais avec ma situation, je ne pouvais pas jouer au football. J'ai découvert l'athlétisme en 2014. J'ai essayé et j'ai adoré. L'athlétisme me rend libre. Quand je suis sur la piste, je me sens libre. Entendre le vent souffler sur mes oreilles est clairement quelque chose que j'apprécie. Ce sont clairement mes parents, ma famille et mes amis. Ils m'ont poussé et encouragé depuis le début. Donc je pense que c'est clairement leur motivation qui me pousse à aller plus loin. Je suis honoré d'avoir à l'âge de 19 ans représenté mon pays au plus haut niveau et également de faire ce que je sais faire le mieux et ce que j'adore, c'est-à-dire l'athlétisme. Passons à présent d'une star montante à une autre, la Namibienne Christine Boma est déjà détentrice de records du monde à seulement 18 ans. Mais la vie n'a pas toujours été aussi belle pour elle et Christine a très tôt été confrontée à la mort après le décès de sa maman alors qu'elle n'avait que 13 ans. Et alors que sa carrière d'athlétisme prenait forme, elle a dû renoncer à sa discipline de prédilection au JO, le 400 mètres, contrainte par la Fédération internationale d'athlétisme en raison d'un taux de testostérone trop élevé. Mais là encore, elle a su relever l'épreuve qui se présentait devant elle pour entrer dans l'histoire olympique. J'ai commencé à me mettre sérieusement à l'athlétisme quand j'avais 15 ans en 2019. Nous n'en avons pas beaucoup parlé.
Mon entraîneur et moi, nous nous sommes dit que nous devions juste nous focaliser sur le 200 mètres. Je ne pensais pas à la course, je courais et c'est tout. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée et qu'ils ont dit que j'étais deuxième, je me suis touché le visage en me demandant « Je rêve ou c'est vrai ?» Quand j'ai pris la médaille pour la mettre autour du cou, j'avais envie de pleurer. J'avais les larmes aux yeux. Les gens criaient mon nom. Ils couraient et suivaient notre voiture. C'était dingue, c'était drôle. La finale de la Ligue de Diamants. Parce que lorsque j'ai couru, je ne me sentais pas bien. J'étais malade. Mais j'ai tout donné pour l'emporter. J'ai grandi avec une mère célibataire. À l'âge de 13 ans, ma maman est décédée et j'ai dû vivre avec mon oncle et ma grand-mère. C'était difficile. Tout a changé, là où j'allais à l'école et tout. Et les gens ne m'aimaient pas. J'ai perdu tellement d'amis. Certains ne m'aimaient pas parce que j'étais orpheline. Cette fille a vraiment eu une vie difficile. Elle vient d'une famille très pauvre. Sa maman était handicapée. Elle est passée par des moments très difficiles dans son enfance et sa mère est décédée en donnant naissance à un enfant qui est également décédé malheureusement. Elle est devenue orpheline avec deux petites sœurs qu'elle aime beaucoup. Donc elle a dû grandir avant le temps et devenir adulte très vite parce que le système social n'était pas assez développé. Il y a sa grand-mère qui a pris soin d'eux, mais en fin de compte, je pense que c'est grâce à son caractère. Quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui, je n'étais pas performante. Je ne savais même pas comment courir correctement. Mais il a eu confiance en mes capacités. Il m'a toujours encouragée. Je n'ai jamais rêvé de devenir une athlète olympique. Et me voilà avec une médaille d'argent. J'étais si fière de moi. La médaille d'argent est pour ma maman. Mon but est d'améliorer mon record personnel et voir comment se dessine le futur. C'est déjà la fin de cette première partie de programme avec la présentation de 3 des 6 nominés pour le prix BBC de la personnalité sportive africaine de l'année. En deuxième partie, je vous propose de rencontrer une championne olympique de natation, une légende du marathon et un footballeur très difficile à battre. Alors, restez sur BBC Sport Afrique pour découvrir leur histoire avec nous. A tout de suite sur BBC Sport Afrique. De retour sur BBC Sport Afrique, je suis Victoire Ayoum depuis Londres. Cette année, BBC Sport Afrique relance le prix de la personnalité africaine de l'année et nous vous donnerons tous les détails du vote en fin d'émission. En première partie de programme, nous avons fait plus ample connaissance avec la Kenyane Faith Kipyegon, la Namibienne Christine Bouma et le Sud-Africain Ntado Mashlangu. Au tour à présent de nos 3 autres nominés et commençons avec une question. Pouvez-vous me dire combien de gardiens de but africains ont évolué en Première Ligue? Une idée? Bon, vous aurez la réponse dans le reportage qui suit, mais je peux déjà vous dire qu'on les compte sur les doigts d'une main. Le Sénégalais Edouard Mendy en fait partie. Et quelle saison il a connue pour ses débuts dans cette ligue anglaise de football, souvent considérée comme la plus relevée au monde. Vainqueur avec Chelsea de la Ligue des Champions, le portier sénégalais excelle dans cette compétition européenne. Il revient pour nous sur son temps fort de l'année. Mon histoire peut apporter justement cette touche d'espoir que certains ont besoin d'entendre certaines fois. La finale de Ligue des Champions, on a été très bon en phase de poule. On a été très bon pendant les phases finales. Et la finale à Porto devant nos supporters et nos familles qui nous avaient remporté la victoire finale. Pour ma première année dans la compétition en Ligue des Champions, c'était un bon début.
contre le Real Madrid, contre Karim Benzema. Je ferai le meilleur pour rendre fiers les gens et pour montrer qu'on peut être beaucoup plus de gardiens africains ici en Première Ligue. C'est quelque chose d'incroyable parce que j'arrive à rendre fiers beaucoup de gens à travers le continent. C'est quelque chose qui peut être synonyme d'espoir pour beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent être dans ma situation. C'est un mélange de foi, de patience, de travail, de beaucoup de travail. Il faut croire en soi, il ne faut pas compter les heures, il faut toujours travailler plus que les autres. Et à partir de ce moment-là, bah, vous vous donnez toutes les chances de réussir en tout cas. Mon père qui me disait de travailler très fort si je voulais quelque chose. J'avais aussi mon frère qui m'emmenait tous les jours au stade pour aller faire des arrêts, pour m'entraîner dans les buts. Donc c'est ma famille qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours poussé à atteindre mes objectifs. Il y a quelques années, j'étais sans emploi, sans club. Et aujourd'hui, je me retrouve à être nommé parmi les meilleurs gardiens au monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Place à présent à une Sud-Africaine qui brille dans l'eau. Je parle bien sûr de Tatiana Schoenmaker. Elle a commencé à nager à l'âge de 5 ans, mais ce n'est qu'à l'école secondaire qu'elle s'est mise sérieusement à la natation. Alors après avoir manqué les Jeux de Rio pour un centième de seconde sur le 200 mètres brasse, elle s'est imposée sur cette même épreuve à Tokyo. Je dirais que 2021 a été incroyable. C'est tellement énervant de ne pas savoir comment le décrire, mais c'est vraiment comme si c'était un rêve. Au moment d'arriver à la plaque de touche, j'ai regardé sous mon bras et je pouvais voir que j'étais devant. Et c'est pourquoi, dès que j'ai touché le mur, j'ai fait un petit signe de victoire. En regardant une deuxième fois le tableau d'affichage, c'est là que j'ai réalisé « Attends, je viens de battre le record du monde ?» Et je trouve que ma première réaction était un peu plate pour quelqu'un qui venait de l'emporter et de battre le record du monde. Du coup, je me suis bien rattrapée avec ma deuxième réaction. Très émouvant pour moi et je finis toujours par pleurer. Mon entraîneur se moque de moi et dit qu'une entreprise de mouchoirs devrait me sponsoriser. J'ai ma famille toujours au top qui me supporte depuis que je suis une petite fille et m'a soutenue financièrement pendant longtemps aussi. Donc c'est super de pouvoir être sur le podium et leur montrer que tout ça a fini par payer et que tout ce qu'ils ont fait était incroyable et a fait de moi la personne que je suis devenue en haut de ce podium. Il y a tellement dans tout ça. J'étais classée 7e ou 8e, je crois, donc je ne pensais même pas repartir avec une médaille. Bien sûr, il y a ces résultats aux Jeux Olympiques, mais il y a aussi la personne que je suis devenue cette année. Le plus marquant pour moi, c'est juste de voir comment j'ai grandi sur le plan personnel et spirituel.
En y repensant et revoyant qui j'étais à cette époque, j'avais 19 ans, je n'avais aucune expérience, et peut-être que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour moi d'y aller, d'être en compétition et ne pas bien réagir, de finir derrière, ne pas accepter de ne pas nager un record personnel. Donc je crois qu'il me fallait arriver à comprendre que la natation ne détermine pas qui je suis. Je devais construire ma personnalité. Et en y repensant, je ne le regrette pas, surtout que 2021 a été extraordinaire. J'ai hâte de voir jusqu'où la natation va me mener. C'est juste le début, j'espère continuer à prendre beaucoup de plaisir tout au long des années qu'il me reste à nager. Passons à présent à notre prochain nominé. Plus besoin de le présenter en fait, vu le nombre de supporters qu'il compte à travers le monde. Surnommé le roi du marathon, ce coureur kényan engrange les médailles, records et autres performances incroyables. Vous l'avez deviné, je parle du roi Eliud Kipchoge. Je peux dire que j'ai beaucoup aimé cette année. Courir, ça représente la vie pour moi. Sans course, il n'y a pas de vie. Courir à Sapporo lors des Jeux Olympiques de Tokyo, remporter l'or olympique deux fois de suite, a été mon meilleur moment. J'ai fait beaucoup de choses, mais l'or à Tokyo a tout cimenté. Ça a cimenté ce que j'ai fait. La conservation environnementale, l'éducation et la santé, ce sont les trois choses qui me tiennent vraiment à cœur. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais la principale est de courir les 6 marathons majeurs et de les remporter. C'est mon prochain défi. Eliud est un grand athlète. C'est un athlète qui croit en lui. C'est un athlète qui a prouvé avec le temps que le travail est dur et il ne prend rien pour acquis. Généralement, il travaille très dur. Le fait de travailler dur a démontré que c'était le seul chemin vers la réussite, surtout quand vous avez du talent. Bien sûr, le jour viendra où il prendra sa retraite, mais je pense que pour le moment, il a toujours tout ce qu'il faut pour réaliser des performances de très haut niveau. Et je pense que nous allons encore beaucoup entendre parler de lui ces prochaines années. C'était très bien que les Jeux Olympiques se tiennent, afin de déclarer au monde que nous étions sur la bonne voie vers un retour à la vie normale. C'était vraiment crucial pour nous donner de l'espoir et dire à tout le monde qu'heureusement, en tant qu'être humain, nous avons suffisamment de savoir et de pouvoir pour surmonter toute incertitude. Mon inspiration me vient de mon amour pour le sport et vouloir profondément inspirer plus de gens et d'enfants chaque jour. J'essaie de dire aux gens de courir pour leur forme physique et d'unir tout le pays à travers le sport. J'aimerais laisser un héritage qui rappellera aux gens qui je suis. Ça y est, vous connaissez les 6 nominés au prix 2021 de la personnalité sportive africaine BBC de l'année. Alors, quel est votre athlète préféré? C'est à vous de voter. Il ou elle en aura bien besoin pour l'emporter. Chaque voix compte, alors il vous suffit d'aller sur notre site internet bbc.co.uk/sport/Africa. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Vous avez jusqu'au 19 décembre à 23h59 GMT pour voter. Les conditions générales de vote sont sur le site internet. Et l'identité du vainqueur du prix sera révélée le 7 janvier 2022. Bon vote à tous
Et quelle que soit celle ou celui qui l'emportera, je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que tous ces athlètes sont des vainqueurs. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale sur le prix BBC de la personnalité sportive africaine de l'année. À très bientôt sur toutes nos plateformes pour le meilleur du sport africain. C'était Victoire Ayoum depuis Londres pour BBC Sport Afrique.